Don Hamman, architecte urbaniste. Je suis de nationalité camerounaise. J'ai fait mes études d'architecture et d'urbanisme à Paris et à Créteil. Le projet, en fait, c'est la mairie du 18e arrondissement qui a lancé un appel à projet qui s'appelle Animation Estivale. Et c'est dans ce cadre que le projet s'est inscrit. Et on s'est retrouvé ici sur le site de la ferme, des fermes d'espoir qui fait partie aussi du jardin d'Éole. Donc l'objectif de ce projet est de sensibiliser les jeunes et les publics à l'architecture de terre, aux matériaux locaux, au savoir-faire et à l'environnement. La technique utilisée ici, c'est la technique qu'on appelle la technique de la boule de terre, qui est familière à la technique de la bauge en France. Parce qu'en Afrique, généralement, on utilise la boule de terre. Donc cette technique utilise donc la paille, la terre, l'argile, l'eau et la boule de vache. Mais ici, sur le projet, on n'a pas utilisé la boule de vache à cause de contexte sanitaire. Donc on a respecté vraiment le côté sanitaire pour réaliser cette architecture. C'est-à-dire que déjà il fallait déposer le projet, répondre à l'appel à projet. Suite à la réponse des élus locaux du 18e arrondissement, nous avons donc passé la commande pour l'achat des matériaux en question. Ici c'est la terre à piser, l'argile, et la mélanger avec de la paille. On nous a déposé et on a démarré donc l'atelier, qu'on a appelé l'atelier terre, le 2 août. Et nous, du 2 août jusqu'à 10 octobre, on était vraiment en chantier, enfin, dans la pratique de cette construction. Mais l'objectif derrière, c'est montrer au peuple, d'abord africain, pour dire que l'architecture de terre n'est pas une architecture faite pour les pauvres. La terre, c'est un matériau noble. Et l'objectif principal ici, c'est réaliser en grandeur nature cette architecture qu'on appelle la case Mouzgoum du Cameroun dans le parc de jardins Éole, avec la transmission, bien sûr, des savoir-faire anciens qui est en voie de disparition. Oui, mais justement, le grand projet, c'est réaliser un ensemble de cases Mouzgoum, Obu Mouzgoum, dans le parc d'Éole, pour montrer pour une construction collective qui va rassembler les enfants, les parents et les mamans, et puis le public parisien, pour la réalisation de cette grande œuvre qu'on veut vraiment le pérenniser dans le parc.